Nouveau système magnifique. Hop. Et hop. Voilà. Avec ça. Le but est de ne pas l'emmêler à la descente. C'est parti. Eh ben non, c'est une dorade rose. Alors, tu vois, moi je sélectionne les espèces plus petites que l'autre encore, mais c'est une dorade rose. Et ils m'ont pas piqué autant de nourriture que. Pourquoi? Ah, pour le vif. Parce qu'il est passé un ton à 45 mètres. Ben on a celle-là. Elle est emmaillotée, elle saigne en plus. Eh va-t'en. Tu vois, ils ont quand même moins de facilité à dépioter l'hameçon, puisqu'ils ne s'appuient pas dessus. Il me reste davantage à manger. Tu vois, que les autres étaient défaites complètement. Donc il faut qu'ils insistent plus pour prendre. Le système ne s'est pas emmêlé. Donc, c'est pas mal. Hop, éberluer, créativité. Créativité, hop. On fait descendre et c'est parti. Touche tout de suite, dis. Tout de suite dès qu'on arrive au fond. Ah, ça c'est la sardine, ça c'est la magie de la sardine. Touche des petites merdes. Rien du tout. Ils montent même le prendre quand il est décollé, tu sais. Ils attendent pas que ça soit redescendu au fond. Il n'y a déjà plus rien. À la sardine, ça tient guère. Même avec beaucoup d'élastique. Bon, allez. Change de technique. On change de technique. On va voir si ça énerve les plus gros. S'il y a des plus gros à côté mais qui laissent manger les petits. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus énervant, Valérie? Je sais pas. Ah, ça, c'est pas trop mal ça. C'est pas énorme, énorme, mais. Il arrive jusqu'en haut, on ne le perde pas. Putain, il donne des bons coups de tête. Tu l'as pas pris sur ton montage à bordier? Je l'ai pris sur celui-là, mais mon montage à bordier, comme tu dis, c'est un très bon montage. À bordier? Non, j'avais pris moins de bordier que toi. Toutes ces petites bordilles, c'est toi qui les as prises. Non, tu les fais fuir. De temps en temps il s'énerve, de temps en temps il monte. Là il accepte de monter. Pour l'instant. Ah, ça n'a pas l'air mal. C'est quoi? Dorade rose. Ouais, dorade rose. Un pagre. Un pagre aussi gros celui-là. Essayer de ne pas le perdre. Ah, bon pagre, pagrito. Essayer de ne pas le faire tomber sur le boulet surtout. Oui. Bon pagre.
Il me l'a ramassé posé sur le fond. C'est moi. Il me l'a ramassé posé sur le fond. Moins gros. Peut-être une petite merde. Sébastien. C'est ça. Ouais. En plus, c'est poisson dans une demi-heure que le plus passé. Mais elle risquait pas de s'en aller, celle-là, quoi. D'un coup, ça a pété. Alors, petite moistelle. Ouais, beau chapeau. Putain, il est gros. Joli. Ah ouais. Tu renoues avec le succès. Et encore une dorade rose de merde. Encore une. Même avec ça, tu les prends. C'est ah. Marrant quand même, ça correspond à peu près au moment où tu as enlevé ton truc à bordier. Regarde. Dès que j'ai posé sur le fond. Mais tu me prends ou pas? Mais non. C'est un hasard ça. Bien sûr. Mais oui. Ça fait quand même un peu beaucoup de hasard avec toi. Mais non. Qui monte maintenant. C'est pile poil quand tu as vu ton machin à bordier. Mais voir pourquoi tu dis ton machin à bordier. C'est juste un plomb. Avec des perles, des mousses, des machins, des trucs, c'est tout à bordier. Mais non. Tout le monde pêche avec des perles et des mousses et ça marche très bien. Il y a un pic qui se jette le pot pour se fuir si c'est pas le bon pot. Non mais. Ça ressemble. Oh, un chapeau, mais. Pas trop énervé. Ouais, c'est lourd, c'est plus lourd, c'est peut-être un chapeau. Mais il a pris d'entrée en bas. Il a pris sur le fond. Dès qu'il était posé sur le fond, il a pris. C'est un beau Sébastien, non ? Alors ça peut être aussi un beau Sébastien. Ouais. Bon, entre un beau Sébastien et un petit chapon, les choses se ressemblent. Ah, c'est pas énorme, énorme. Ça peut être un beau Sébastien. Ouais. C'est un chapon, c'est pas un gros gros. Il plie pas énormément la canne. Il fait du poids, mais. Pas grand. Un requin. Si tu. Il est pas loin. De l'eau, il monte. Si tu tapes de l'eau. Si tu approches. Tu crois? Il vient voir. Avec son petit poisson pilote au-dessus. Petit. Après, il y a l'autre. Il y a l'autre, mais l'autre côté. Il vient chercher. Regarde. Et il s'est enfoncé. Tu tiens le téléphone, tu filmes. Oui, il monte, regarde. Oui, il monte. Il va la prendre, il la prend, ça y est. Il est venu la gober. Et l'autre? Il a mangé l'autre. Il a mangé? Elle a coulé? Non, mais ils ont deux. Elle a coulé, on ne verra pas prendre. Ça y est, il l'a prise, tac, il la prend à l'instant.
Ça là, on va voir. Ah, il revient. Il est bon, hein? Ça y est, attention, attention, clac, et la prise. Il y aurait eu un hameçon avec un câble en acier. On avait la bagarre du requin. Là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à manger? Il est là, oui. Ah, il est là, oui, dessous. Hein. Il est éteint. Non, il n'est pas éteint, il filme toujours. Il est juste dessous, là. Et ben voilà, on rentre au port. On a passé tout merveilleux. Quelques petits poissons, sauf bredouille, mais franchement, on pensait faire pas mal de poissons. Ça n'a pas été le cas. C'est comme ça, c'est la pêche. Bon, maintenant on va tout nettoyer, tout rincer. On va mettre le bateau à quai. Allez, va, je vous dis à une prochaine fois.